Bonjour et bienvenue sur comme d'habitude Gaming en compagnie de Knorfang pour un nouvel épisode Shade. Je viens de peindre la maison, voilà, en torchis. Donc j'ai pris cette maison là. Ça m'a permis de faire un grand tour, ramasser un peu de ressources, etc. Je vais faire un petit tour vite fait. Je voulais voir aussi autre chose, donc on va... Je vous réserve une petite surprise pour cet épisode. Une surprise assez simple ou nette, hein. Vous attendez pas un truc qui va casser la baraque, hein. On n'est pas dans une vidéo putaclic. Mais effectivement, je vais avoir les sous, parce qu'on va aller chercher les sous, pas de problème. On va aller chercher les sous, et donc on va trouver des solutions qui nous conviennent. C'est bien, il y a un peu d'herbe, de champignons, de machin qu'on veut pousser. Des bouts de bois, donc je dois avoir des bouts de bois en pagaille d'ailleurs, parce que j'en ai ramassé un petit paquet. Du bout de bois, j'en ai combien là? J'aimerais bien savoir en fait. Attends, j'en ai 14. Donc on est bien, on a de quoi tout faire. On est très bien. Il faut donc... j'ai peint mon dernier tableau, donc il faut que je le ramène. Ramène le dernier tableau. Les deux derniers tableaux, parce que je n'ai pas rempli non plus celui d'avant, qui a été fait, qui était donc celui du moulin. J'ai juste pris le roi au bain, de à côté de Nava. Hein. Je vais pas aller chercher le petit moulin en haut à l'autre bout du truc. La fainéantise, on va dire. Tout ça pour y avoir fait quand même le tour, mais bon, c'est pas grave. On aura visité. On a plusieurs personnes à revenir voir au bout d'un certain temps que j'ai oublié. D'ailleurs, j'en ai oublié plusieurs. On va aller revoir Fillette sur le marché là. On va aller voir la Fifi sur le marché, ça va être bien déjà. Ça sera fait. Avec un peu de chance, ça va nous plier notre quête ou nous demander de faire autre chose pour elle, comme de venir les peindre, par exemple. Ce qui évidemment pourra se faire. Acheter la tyrolienne. Et oui, je voudrais acheter donc du poisson. On a parlé dans l'épisode d'avant, juste au moment où je l'ai fermé. D'ailleurs, est-ce que j'ai peint pour ma collectionnite personnelle les runes Nava? Ah oui, mais non, parce qu'il faut que je la paye de tout en haut. C'est vrai. C'est vrai qu'à la base, on fait tout ça juste pour faire une toile. Tac, le marchand d'art par ici. Welcome back. We've got plenty more patrons interested in your work. Rendre des commandes. Le moulin à eau. Such texture. I've always wanted to live in one of those. Voilà, t'as des nouvelles commandes. Ah oui, déjà, oui, d'accord. Une tour solitaire. Peignez-moi, s'il vous plaît, une tour abandonnée. Faites ressortir sa solitude de préférence sur un ciel triste. Et je ne veux pas des tours de la cité. Épargnez-moi ça, elles sont loin d'être. Ok. Un petit pont de pierre. Une arche naturelle, je souhaiterais acheter un paysage. J'aimerais que la composition comporte une arche naturelle. Okay. Caverne étoilée. Je fais des rêves étranges ces temps-ci. A chaque fois j'ai l'impression d'être sous un ciel étoilé. Mais il s'avère que je me trouve en fait dans une caverne avec des étoiles partout autour de moi. Vous en prenez trop les gens. Je vous jure c'est pas possible, vous en prenez trop. T'as trop pris gros. D'ailleurs, on n'a même pas poussé la visite de cette fille jusqu'au bout. C'est quand même un véritable scandale. Genre, ce marchand-là, on ne l'a toujours pas... Ouh, il est chargé à l'instant, d'ailleurs, très intéressant. Reçu la Gazette Ombragienne Salubrité. Peut-on lire la Gazette, je vous prie. Shadian Post, début de la saison du thé sur l'île, par Esther Clairpuis. Un air dans lequel flottent les parfums des fleurs en bourgeons et des thés en train d'infuser ne peut signifier qu'une seule chose. La saison de la cueillette est enfin arrivée. Les plantes en fleurs et les feuilles de thé sont en train d'éclore. Et les ombragiens, qu'ils soient jeunes ou vieux, sont impatients de ralentir, de remplir, excusez-moi, leur panier de leur plus belle cueillette. Grâce à la loi des champs partagés, toutes ces plantes délicieuses peuvent être librement récoltées, bien que les gens de l'île connaissent parfaitement les meilleurs recoins, dont ils gardent farouchement les emplacements secrets. Les touristes sont encouragés à explorer la région pour y récolter tout ce qu'ils pourront trouver. Attention cependant, le chardon noir demeure une espèce en voie de disparition et ne doit en aucun cas être cueilli. Joyeuse récolte à tous. Did you pick up a paper? Oui, oui, oui.
Oui, c'est bon. Would you like to donate a glowstone to the Shady Impost so we can keep the paper free, without ads and unmotivated by pop news and tabloid journalism? Bien sûr. Thank you for your contribution. Bien sûr. Franchement, tu donnes un dollar pour qu'un journal reste indépendant sans titre stupide, racoleur, ni rien. Un dollar, je te les donne. Hein. Je voulais donner une pièce, on peut pas. Je suis choqué. Bon, t'avais vu, hein. What can I brew you up? Thé de Cotavray. Ouais, le thé du marcheur. Je vais en prendre un deux même. Deux. Toi, tu vends quoi? Hi there. I mainly work in furniture, but by the looks of your pack, I doubt you're interested in buying a table or chair. C'est vrai. Not to worry though. I've got just the thing. How would you like to buy a handcrafted wooden bike? Combien ça coûte? 80 glowstones. Je sais pas. C'est de la folie. Is it though? Just look at this bike. It's a feat of engineering. Riding it feels like flying, and it saves you so much time. Merci. C'est cool, hein. Faudra qu'on se paye ça, mais du coup, pour l'instant, j'ai pas tout de suite les moyens. Faut d'abord que j'aille peindre trois conneries. Il faut que je t'achète. Alors, j'achète la tyrolienne et j'achète d'abord le poisson. La tyrolienne, hein, je pense. Consulter les marchandises. La tyrolienne, s'il te plaît. Je suis pauvre. Le mec est arrivé, il a commencé à claquer sa thune comme si c'était un prince. Et en fait, non, pas du tout. Je suis un pauvre. Ah. Je vais aller voir les nounoursons là. Ok, il y a un logo blanc. Je disais, tiens, tu peux ramasser ça. Ah, ouais, moi je pense que le fait que t'as de vendre des légumes pour faire l'homme robot, c'était vraiment ta meilleure idée de carrière, je pense. Voilà. Hey! So, I have some news for you! Leilani and I went out for a picnic date at the hot springs! We went at sunset and it was gorgeous! Right when the stars came out, I told her how I felt, and. She felt the same way! We're officially a couple now! Thank you so much for helping me out! The world to me. You're such a great friend, a champion of true love. Cool. Bon, on a gagné un peu d'inspi, quoi, mais pas un copec, hein. Donc, j'aurais un peu raide de pas gagner un copec, hein. Ouais, j'aime bien la thune, les gars. Hein. Je suis un artiste, hein. J'ai soif, vous savez. Faut alimenter toute cette machinerie, là. Faut boire. Tard, qui je devais voir dans cette ville? Revenez au bout d'un certain temps ou d'un temps certain, je sais même plus. Les dernières volontés, un poisson acariâtre. Ah, il faut que je m'achète un. Il faut que je m'achète un poiscaille pour lui en fait. Difficulté à décrire son invention et à convaincre la population de venir les voir. D'accord, mais. Ouais, la mine du vieux type, le sommet naval, élixir de vie. Sommet naval. Je me suis délivré. Université. Pouvoir accéder à l'étage supérieur. Ah oui, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse avec. Ah oui, les eaux des sources. Ah, tu vois, c'est pas précisé dans le journal, c'est con quoi. Je perds du temps. Ah, mais non, c'est précisé là. Ah, je suis couillon. La devinette de pff, on comprend pas. Rafistol, sa clôture devrait repasser demain pour m'assurer que. Ok. Cœur de la nuit, Rania a entendu des tambours en pleine nuit dans les bois fardés. Je devrais peut-être enquêter. Ouais, mais bois fardés, pareil, j'ai pas accès. Ce que t'appelles les bois fardés, c'est où? C'est par là. Bois de l'ouest. Ok. Bois fardés. Bon, Fardet, c'est où? Routine. J'avais d'autres personnes à revenir pour, je sais plus. Mais écoutez. Écoutez, ils m'ont saoulé. Faut que j'aille peindre des conneries, des machins, je crois. Oui, mais on peut pas les retrouver. Alors, moi, je veux bien. Artiste alloué. Conseiller de montrer mon portefeuille.
Non mais d'accord, très bien, mais où est-ce que je peux consulter les peintures à faire? Ah! Cool! C'est bon, j'ai trouvé où c'est. Un petit pont de pierre, une arche naturelle, je sais pas où je vais la trouver celle-là, une tour solitaire, oui ça c'est bon, une caverne étoilée, on verra. On verra avec la nuit qui tombe. Je peux toujours essayer de te peindre la caverne de la vieille. Ou du vieux singe. Ah ouais, il y avait l'espèce de singe aussi à l'indo. Ouais, donc bon, on est parti pour farmer des sous, quoi. Oh, la misère. La misère, et Pierre. Attendez, il y a un truc aussi, du coup. J'ai acheté la tyrolienne, là. Hein. Donc, du coup, je vais pouvoir vous montrer un truc. Ah, les petites souris, c'est à jour. Bah voilà, on va aller voir le fermier tout de suite. Voilà, comme ça, j'aurai rempli ma vidéo. On aura vu quelque chose aujourd'hui. Allons voir notre fermier. Oups là. Bon, au contraire, faut choisir. Parler à ces gens. Il y a un truc ramassable. It comes. Qu'est-ce qui arrive? It may be the fiercest East Shade has seen in 100 years. The signs are all around us. You must find shelter. De quoi parlez-vous? Death. It is death. I must go. Be safe, traveler. Oh, est-ce que ce jeu va transformer en Skyrim édition? En bottage de cul simulator? Ah oui, il nous a refait ça. Salut. Ahoy there, traveler. Alas, those carrot chompers are still at it. Seems the mice are trapped inside my new fence. Although, they never leave so much as a stem behind. Hungry little creatures, aren't they? Dans ce cas, tu peux toujours faire des récoltes mortes, c'est-à-dire que tu as ce que tu plantes dans ton jardin, et puis sinon t'en plantes autour de ton jardin, ou un peu plus loin vers le bord de la route, et elles iront là où, évidemment, tu n'es pas. À moins qu'elles aient décidé que t'étais leur meilleur ami. Et que puis-je vous aider? Pourquoi ne pas stopper par K&K Apothecary? Kai et Kaelin devraient avoir un repellent qui va envoyer tous les critters bolting. Ils vivent ouest de ici, along the riverbank on the south side of the Blushwoods. Je vois très bien. Arrive sud des bois fardés. Ah donc, d'accord, donc les bois fardés c'est cette région en fait. Ok, ouais parce que c'est pas précisé sur ma carte. Donc bah allons chercher nos tiopères, Et là je reviens vers la grande rue, non? Alors, Ah il y a lui, il faut que je joue ça. Tac, donc là on a le grand arbre et normalement sur le côté, voilà, on a leur petite maisonnette. Le bois fardé, ok, donc le bois fardé c'est là quoi, en fait, c'est vraiment juste au-dessus. Des quenouilles. Hi. Pas de quenouilles. We have to stop taking Finn's cross. Oh, this is so unlike us. We never wanted to steal from Finn, you know. I would have done anything else if I could. I'm horrified by what we've done to such a sweet old man. Madame, vous marchez sur des ponts. Criminy! You shouldn't barge in on someone like that! How much did you hear? Difficile à dire. No, if I can trust you. No one's buying herbs like they used to. You understand? Je vois. You do. Oh, good. You never know who you can trust. Times have been hard since Kaelin's father stopped supporting us. We thought we could make it on our own, but
Truth is, no one seems to have much use for an apothecary. Not out in these parts, anyway. I don't right know where everyone's getting their goods. Maybe it's time we moved on from Eastshade and found ourselves a place where we can make a proper living. Actually, there may be something you could help us with. One last try to make it here before we call it quits. Will you help us? Okay, vas-y. You'll help us? Oh, this will mean so much to Kaelin. Okay, que dois-je faire? Have you met Annika? I'm willing to bet she'd help out. But Kaelin's always saying Annika has a generous soul. Even if she isn't all there upstairs. She lives in the southwest of the Great Shade. Somehow, people around here came to knowing she has more glowstones than many of the rest of us. I'm guessing she doesn't spend too much. Too preoccupied with other things. Just see if you can borrow 600 glowstones. C'est énorme, mec. I'm not proud of it, you know. We've been down on our luck a while. Anyhow, if she needs convincing, just tell her it's anyone besides us asking. Go, give it your best. Tu sens la malhonnêteté, tu transpires la malhonnêteté, mec. Hein. Alors, plusieurs choses. Les petites souris. J'ai appris ce qu'il y avait à savoir à propos du problème de vermine. Le répulsif ne sera pas d'une grande utilité, apparemment. Je devrais retourner voir Finn, ok. Seconde chance. 600 boules en sachant que tu veux pas que je lui dise que c'est pour toi. Est-ce que l'affaire est un peu louche ou pas? We really worked our way into a predicament. Even if we left Eastshade, who's to say it would turn out better for us elsewhere? Ouais. Ah, mes souhaits, excusez-moi hein, de rien. Oh, mes flûtes. Ah, j'ai oublié de lancer le chrono. Non, bah, vous savez quoi, cette vidéo va être trop longue. Bonne nouvelle. Ames Reps, hein. Qui dirait l'autre. Ouais, je vous ai promis de vous faire un truc. Je vais vous le faire. Ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. On va se faire ça. C'est pour vous, c'est pour moi, c'est pour chacun d'entre vous, c'est pour chacun d'entre nous. Et j'espère que ce sera cool. Et j'espère qu'il y aura des vrais trucs à voir. Allons voir de vrais trucs. Poète, 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 poète. Poète, poète. Poète, poète. Oh, animation. Tyrolienne. Et je me déteste, je me suis bourré de tyroliennes. Je me suis gouré de tyroliennes, c'est trop bien. C'est trop bien, mais bon, on va se la refaire. On va se... On fait des récoltes. On va... Ah, et je vais vendre quelques plumes à l'autre clodo, là, qui est ici. Moyen de se faire des lumigènes aussi, assez facile. Des lumigènes. Hop. Celui-là, par contre, tu ne peux pas me le prendre. Ok, concept. Ok, concept. Allons lui vendre quelques plumes. Parce qu'en gros, là, le gars nous demande tellement de sous. Vas-y, vendre des plumes. J'en ai 7. Voilà, c'était bien. Cool, j'ai rien gagné en fait. C'était vraiment la pire idée du monde. Je me suis dit, oh, il y a peut-être moyen de se faire un peu de thunes, mais. Oui, bon, bah. On s'est fait une miette de sous. C'était cool. Un petit pont de pierre, ça peut se peindre, je pense, assez tranquillement, assez facilement. Ah, attendez, le gars veut une vieille tour abandonnée dans un décor bien triste. Attendez, je crois que j'ai ce qu'il lui faut aussi. Tant qu'on est à l'indo, je pense que le vieux phare ou de l'autre côté, là, le vieux lindo, en fait, on va peut-être trouver son bonheur. En plus, sous un petit décor de pluie bien dégueu,
Je pense que comme ambiance, ça se pose là. J'ai envie de dire, on peut même lui rajouter des petits éléments de réalisme. On lui. Voilà, les doubles feurs en fait, elles sont buggées. Je pense que. Voilà, regarde-moi bien ça là. Ah, tu la sens ta solitude? Tu la sens ta solitude à solitude? Alors attendez. Avant de faire la moindre toile, on sauvegarde parce que vous connaissez la chanson. Tu fais une toile qui convient pas, tu te retrouves avec ça sur les bras. Oh, c'est bien ça. Tour solitaire. On va laisser peser. On voit ça. La tour solitaire, c'est fait. Ensuite, j'ai besoin de descendre. La grotte étoilée, je pensais à la grotte du vieux man, là, du vieux singe qui nous a récupéré au tout début. Ça me paraît cool. Alors l'autre, en fait, quand il nous dit j'ai perdu mon amulette dans l'eau, le truc c'est qu'en fait ça pourrait être n'importe où, genre ça pourrait être par ici. Tellement le type est un vieux. The one who dwells in the tower is the architect of New Linda. The one who designed the beautiful buildings. The one who has been missing for years now. Maybe this is for the best. Perhaps it's time someone talked to him. And maybe it's best if it's an outsider. Mec, c'est bouclé cette affaire. And he is proud. Mais mec, talk to him. I'll leave the door unlocked for you. Mais mec, elle est bouclée cette affaire. Arrête un peu. J'ai jamais récupéré ce chevalet. Je peux pas lui piquer de bougie. Grotte étoilée. Ah, ça fait pas très grotte étoilée. C'est joli, mais ça fait pas une grotte étoilée. On va tenter cette peinture, mais j'y crois pas du tout. Ouais, non. Mauvaise idée. Mauvaise idée, ouais, il faut vraiment que je trouve une grotte avec l'aspect vraiment étoilé. Mais l'autre inconvénient, c'est que de toute façon il fait jour. Donc, j'ai fait 46% du jeu. Hein. J'ai fait 46% du jeu. C'est quand même beau. Donc, jeu finalement pas très long. On va se lâcher un petit chrono quand même vite fait. Je pense que d'ici 10-15 minutes, j'arrête la vidéo comme ça. On est sûr qu'elle est pas trop longue. Donc ok, mauvaise idée. Par contre, là où ça peut être une bonne idée, c'est de revenir de nuit. Tant qu'avoir fait une sauvegarde automatique, est-ce que je peux peindre ce petit bateau là-bas? On le voit pas là, il est vraiment loin quoi. Après, j'ai pas moyen de me rapprocher, je crois. Avec le meilleur endroit pour le peindre, je crois que c'est la tour. La tour du vieux Lindau. Allons voir ça. Qu'on soit en bas ou qu'on soit en haut, je crois que c'est le meilleur endroit pour pouvoir peindre ce bateau. Hop. Le jeu est en train de crash. C'est bon, il a pas crash. C'est chaud. Hein. En tout cas, la plume a régène. C'est très rigolo. Vous sentez l'absence de son et de chargement? Est-ce que vous sentez la misère d'un jeu? Je crois que je viens de tuer le jeu. J'ai cassé le jeu. Allô? Allô le jeu? Ah, c'est bon, il est encore là.
Quoi? T'as plus rien à foutre ici, toi. Casse-toi, dégage. Pour une peinture. Hop et salut. Putain, ça a mis un temps à charger, c'était la misère. Je rigole si le gars est encore à l'hôtel de ville. Non, normalement il y est plus. Bon, ça ferait un personnage en double. C'est très rigolo. Mais bon, il était quand même censé quitter la région, le gars. Région qu'il n'a jamais quittée. Hein. Ouais, je m'en vais et en fait le PNJ est toujours là. On sent la limite du jeu indé quoi. C'était compliqué, visiblement. Étant donné que beaucoup de choses ont repop, puisque je suis là, normalement, sauf erreur de ma part, voilà, il y a une plume ici. Je me rééquipe une plume, on sait jamais. Toujours bien, parce que j'avais plus rien sur moi. Toujours bien d'avoir un truc ou deux. On va aller voir la capitaine. Annabelle could sail the seas once more. How cruel can this world be? Blasphemy! Have you no sympathy? Now leave me be. D'accord, on était possédé. Oh, poor ship. Such a good ship she was. None of that matters now, though. Now leave me be. Bon, bah, ça servait à rien que je lui paye son bâtal à la con. Ah, attendez, à partir d'ici, on peut peut-être lui faire un truc aussi. Je vais essayer, hein. je tente des initiatives incroyables. Oh, je peux même venir jusque là, très bien. Bien, faisons cela. Venons jusqu'ici, jusque sur le bras de mer. Là, je peux pas aller plus loin. Très bien. Rends-moi mon tableau. Merci. Ok, je veux juste voir si on peut... On peut lui vendre son tablal, ou c'est lui réchauffer le cœur un peu, ou si c'est mort en fait. C'est un PNJ, on peut pas en tirer grand chose possiblement. Pour l'instant. Can't you leave a person to mourn in peace? Ah. Donc j'avais raison. Bah par contre faut le peindre, et faut le peindre de près. Très bien. Et pas de trop loin. De trop loin ça marche pas. Très bien, très bien. Bon bah je suis pas mécontent. J'ai trouvé une solution à une quête qui n'existe pas. Oui, je continue. Quoi? Ah oui mais non, c'est pas du tout ce que je veux. C'est pas l'autosave, c'est la manu save. Et normalement dans la manu save y a pas de j'ai pris une peinture de la cave. Ou alors le jeu m'a truandé. Est-ce que le jeu tu m'as truandé? Non, mais bon d'accord, j'ai regardé mon plafond mais j'ai rien fait. Ok, très bien. Eh bien allons repeindre ce truc. Voilà. On va repeindre ce bateau. Enfin, Annabelle. On va aller peindre Annabelle. Annabelle. Il y avait des choses à récupérer. Ouais, il y avait des choses à récupérer. Attendez, hein, je récupère mes bouts de bois, ma plume, mes poches à flore. On sait pas combien on en consommera, mais voilà. Quand je vois par exemple pour faire un thé, il m'en faut déjà deux des poches à flore. J'ai encore un radeau à faire, soi-disant, tout ça. Découvrir la recette de l'enduit. On sait jamais, vaut mieux avoir trop de stock sur soi quand c'est pas comptabilisé comme ça. Il y a quand ça pas de valeur en poids posé. Voilà, on peut peser, faut en profiter. Eh, hey, le ourson. Ah, il est disparu par contre ici. Il n'est plus là. Intéressant. Interesting. Ouais, non, bah, on va le repeindre de là où je l'avais pas. C'était très bien. Pouf.
Ah bah je vais être bon pour retourner écouter de la musique moi. En off hein. Ah je sens que je vais me faire une petite session musicale pour me remonter à mon inspiration là. Surtout qu'il est fort probable que je sois obligé d'aller bosser à la ferme à côté et ça va me coûter des niveaux. Pour rentrer à Deligen, parce que là on est vraiment pas. On est pas fou hein. Alors can't you leave a person to mourn in peace? Is that Annabelle? Why did you paint her all ruined like that? Is this supposed to memorialize her resting place? Then you do understand this tragedy. Thank you. She would thank you too. If she were still alive. I don't want anything to do with this painting. It's a thoughtful gesture, but you keep it. Ugh. Take these. There's nothing worse than arriving in a new place, glowstoneless. Now leave me be. Okay, c'est bon, t'es guéri, hein. If only Annabelle could sail the seas once more. How cruel. Blasphemy! Now leave me ouais, be. Salut. Bon, elle est possédée, mais bon, elle est possédée, quoi. Très bien, fort intéressant. En termes de travail, donc, on a une tour solitaire, mais ça, je l'ai pris. Une arche naturelle. Je sais pas encore. Petit pont de pierre. Ah oui, petit pont de pierre. On va se faire petit pont de pierre. Petit pont de pierre, on peut. Parce que là, arche, des pas naturels, j'en ai à disposition, si tu veux. Mais enfin, des naturels, j'ai pas. Petit pont de pierre, je vais te le prendre, hein. Je vais te prendre le petit pont du péage. Le vrai, hein, celui que tout le monde il aime, celui qui m'a coûté 65 boules. Je sais plus combien, mais beaucoup. Beaucoup. Le truc m'a coûté au moins 3 théières. Bah on compte en théières, après hein, vu qu'ils sont très fans du thé, donc on compte en théières, c'est l'objet de référence. Non, on s'en fout, y a pas de cul là. Ce petit pont solitaire. Petit pont de pierre. J'ai envie de le peindre de l'autre côté. De ce côté-là. Magnifique, ma chère, oui, c'est magnifique. Tu bouges pas. Tu ne bouges plus. C'est magnifique. Oh oui ma chère, oui. Là, tu es belle. Allez, fais tourner. Ouais, il est aussi un peu en bois trempé. C'est pas mal, qu'est-ce que vous en pensez? Donc ça c'est fait. L'arche naturelle encore à trouver, la caverne étoilée. Ok, très bien. Ceci étant dit, traçons... en haut de cette tour solitaire, donc qui est juste à côté. On va en profiter, on va y aller. On a quelque chose à y faire. Oula. Oulala. Oulala, calmez-vous. Non mais le jeu quoi. Mais arrête de décharger aussi les zones par lesquelles je suis passé quoi. T'sais, il a vraiment déchargé toute la tour. Il a fait non, la tour non. T'sais, j'ai un peu de mémoire cache quoi quand même. On peut bosser un peu avec la mémoire du jeu ou... Avec la mémoire de mon ordi ou t'as prévu de le sortir sur Switch, c'est-à-dire aucune mémoire tampon, aucune mémoire tampax, tout ça. Ouais, c'est ça. Vas-y. Je vais monter là-dedans. Alors cette fois-ci dans la bonne direction, hein. Mauvaise direction, bonne direction, c'est parti. Ouais, c'est parti. Voilà, c'est ce que je voulais faire ça. De Roshanara, qu'on appelle aussi machine dans le milieu. Oh. Bon, j'ai 10 toiles, hein, c'est bon, je vais pouvoir arrêter d'en acheter. J'ai tellement devenu un pince de la toile que. On appelle la princesse de la toile, tu vois. La princesse de la toile. Greetings, traveler. Would you like your fortune read? Je t'avoue que
Vous pouvez réellement lire l'avenir ? Look around. You are a guest in my place of solitude and calm. Here I am uninhibited by the clutter and chatter of all those people in the city. Here, my mind is free. My soul balanced. Vas-y, hein. Beautiful, beautiful. Before we begin, I have one request. Que vous faut-il? Tell me, what do you know of the Black Thistle of Eastshade? Ah, I see. To read a proper fortune, I must have a sprig of Black Thistle. No. Will you bring one to me? Elle veut de la drogue. J'en ai déjà sur moi. Really? So you're already a wily collector of illegal fodder? C'est à peu près ça. J'ai pensé que personne ne l'aurait remarqué. Of course, of course. Bien sûr. You have the Black Thistle? Splendid, splendid. Shall we commence with your fortune? My fee is 3 glowstones. Ok, vas-y. 3 glowstones, c'est pas la fin du monde. I see. You. You have traveled from afar. Or the great sea. Good fortune has brought you upon Eastshade's fair shores. You will help many people, and certainly find the happiness and peace you have been looking for in this place. But be wary of those whose principles differ from your own. There is nothing more I can share with you at this time. C'est tout? I know not what you mean. Bon, ok, elle est foncée. Je crois que vous êtes très Life bien. Is what you make of it. Words are what you make of them. Oh, you silly traveler. I am but a keeper of these grounds, helping to take care of the tree and its undergrowth. I only pretend to be a fortune teller to seek out the wrongdoers. Hogwash! You wanted to pick the thistle, I could see it in your eyes. To make this right with the great shade, you must pick 5 weeds. This will protect the thistle. Alas, not from deviants like yourself, but it'll give the thistle more of a fighting chance in the soil. C'est vous qui m'avez poussé à tuer cette a plante. A small price to pay for teaching someone the errors of their ways. The great shade is the lifeblood of this island. And thanks to folks like you, it's in peril. If the simple black thistle goes extinct, the great tree will be at greater risk than ever. La vanne. Vas-y, oh, tu yes. Vas faire connaissance I avec hear her hooing like an owl sometimes around here. I usually pretend I'm not home. There's nothing to be done about the black thistle you already destroyed, but if you go pick 5 scragweeds, the black thistle may be able to spread their roots a bit further. Go now and make your amends.
Et elle m'a quand même arnaqué 3-8 gemmes, elle fait des feintes et tout débiles. Je pense que je vais encore les cuire. Ah bah si, je t'emmerde. Ah la crevure de bidet, allez vas-y, je vais en arracher. Je sais pas combien il faut qu'on arrache. Oula, je vais demander l'ouverture de menu. Je vais te mettre les bouchons. Pouit. Ok. Donc il faut. Je suis toujours active. J'ai cueilli un genre la porteur rouge. Que j'ai mis, mais je peux le racheter. D'accord. Et donc la suite de la quête, c'est je sais pas combien il faut en arracher. Ok, bon bah écoute, s'il y en a en retour, là vite fait, j'en arrache quelques-uns. On n'en parle plus. Mais je crois que j'ai ramassé tes germiflères, tes germi machins là. C'est les rouges. C'est les plantouilles rouges, voilà, c'est les comme ça. Et je pense que j'en ai déjà arraché à Vult en fait. Bonjour les gens, bonjour. Tiens, petit chardon. Voilà, je veux bien, mais il n'y en a pas plus, hein, donc j'en ai déjà arraché une sacrée pile. Ah. Ça pourrait se faire passer pour une arche, mais c'est pas une arche naturelle. Quelque chose dessus intéressant, non, rien, pas un champi, que dalle. Ok, ok. On découvre les zones ici et là. Voir s'il y a une plantouille ou deux. Sinon j'ai plus ce que j'avais à faire à la base. Alors, initialement il y avait des choses à faire. Ah tiens, je vais en arracher encore un. Hop. Combien faut en arracher 10 je crois, un truc comme ça. C'est une herbe qui est assez commune, donc j'avoue si je peux les si je peux les arracher ce sera fait. Ouais. De retourner l'avant en disant ouais je vais le faire ton machin, tout ça. Petit pont de pierre, il a été fait. Ah oui c'était ça, il y avait quoi d'autre là? Ah non, une caverne étoilée et arche naturelle. Arche naturelle, on sait que c'est mort, je peux pas. Et c'est compliqué, c'est pas évident. Oula, ah. Ah, petit chardon protégé là, tu vois ton petit chardon protégé là, comment je l'ai arraché comme un malpropre. Ah, il fallait qu'on aille voir. Oui. Alors, il fallait qu'on aille voir aussi la chouette, Miss Chouette. On va la voir vite fait parce qu'à première vue, il faut qu'elle dépanne 600 boules à quelqu'un. Bon. 600. Oula. Arrête de ramer. Coucou. Coucou Hibou. On ne voit rien. Mais coucou Hibou. Broke a pot this morning. And you know what? I don't even mind. Today's just my day. C'est-à-dire? J'aurais besoin de votre aide. Of course. It wouldn't be a bird identification issue by any chance. Non, pas tellement, non. Non, pourriez-vous me prêter des lumières? I love a good bird ID. Well, tell me what you need in glowstones for. Ah, pour aider un ami. You need me to give you glowstones so you can help a friend. And tell me, what's the name of this friend? On m'a demandé de ne pas le dire. Right, of course. And where on the island might I find this person? I see. Ouais, unfortunately, I cannot help you help your friend. Pourquoi? Financial troubles north of here. No doubt you've been spending time with Kai and Kaelin. Ouais. Kaelin's a sweetheart, ouais, but si that c'était... Kai, a weasel if I ever heard of one.
But you're new to Eastshade. Lots of people didn't like back when Kai was overcharging for potions. Not that it bothered me so much, but he sure upset a lot of other people. D'accord. Pourquoi le traitez-vous de fouine, alors? He steals from owls, of course. The most magnificent of all creatures. You see, owls love rubbing their beaks against the soft part of the black thistle. It comforts them. And Kai simply waltzed into the great shade and snatched black thistle, an endangered plant, I'll have you know, and stuck it into some potion to sell. Kai is no friend to owls. Who would do something so terrible? It was no misunderstanding. If anyone ought to know better, it'd be Kai. He deals with plants all day, after all. And whatever you do, don't pick the black thistle. Bye now. Ok. Cool. Top à la pistache. Hein. Non, pas du tout, pas par ici. Hop. Ici. Seconde chance. Tekteta a refusé de prêter à utiliser une plante menacée d'extinction dans une potion. Je devrais l'interroger à ce sujet. C'est exact. C'est exact. Et c'est exactement ce que nous allons faire dans un autre épisode, parce que là, quand même, faut pas déconner, les épisodes sont assez longs. Je sais plus par quel chemin il faut que je... Normalement, il faut que je longe... Arrête de ramer le jeu. Normalement, il faut que je longe un peu la côte. Par contre, c'est vrai que c'est pratique qu'on puisse bosser de nuit. Pour tomber chez eux... Ah, c'est peut-être plus haut, plus loin. J'en profitais pour aller revoir l'autre Goliot. Et voir si je peux dire, ok, vas-y, je vais ramasser tes machins. Et que ça commence à me les compter. Ils sont pas cool les gens hein. Les gens ils sont pas très cool. C'est vraiment pas c'est un peu la mort du fun les gens. L'épisode est beaucoup trop long. C'est à moitié encore en train de cracher pendant que ça charge. Donc je pense qu'on se retrouve dans un prochain épisode. C'était Knarfank sur Comme d'habitude Gaming pour Eastshade. Ciao.